Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Ready or Not, encore en duo avec Pépé. On va tenter une mission avec une bombe à désamorcer. Vous allez voir que c'est compliqué parce qu'en fait il y a deux bombes et pas qu'une. Donc déjà c'est difficile. On n'a que 5 minutes pour accomplir la mission, sinon ça explose. Du coup c'est compliqué parce qu'en fait vous allez voir qu'au début on va y aller tranquillement. Je vais pas vous montrer tous les essais qu'on a fait, mais je vais vous montrer les plus intéressants en tout cas. Notamment bon les premiers déjà pour la découverte. Mais voilà, dites-vous qu'au fur et à mesure on va essayer d'aller de plus en plus vite et donc moins de les choses parce que en fait on se rend compte qu'on a vraiment pas le temps, peut-être que la mission est plus optique à 4 là pour le coup qu'à 2, mais vraiment pas évident, surtout que des fois les deux bombes sont loin l'une de l'autre dans le bâtiment, donc c'est très très dur de les atteindre. On arrive à en trouver une et pas forcément l'autre, des fois sur côte à côte, du coup on a un peu plus de chance. Et ce qui est compliqué en plus, c'est que les ennemis dans cette mission là ont vraiment tendance à nous backstab, c'est-à-dire que dès qu'on rentre dans une pièce, qu'on commence à tirer. Ça arrive très fréquemment, alors je verrai selon les rushs que je vais vous laisser, mais en tout cas, nous, sur les essais qu'on a fait, ça arrive très fréquemment qu'il y en ait qui arrivent derrière en masse, qui nous bombardent, et franchement, on est mort souvent comme ça. Donc voilà, la mission est très difficile, mais du coup, très intéressante. Donc je vous laisse avec les images, les amis. Et un accès à droite à checker. On a priori, du coup, c'est ça, 5 minutes pour la bombe. J'ouvre. Ok, c'est lock. J'unlock. Je prends de suite à droite. Je te laisse l'accès en face, ok? Vas-y, go. Et à gauche, c'est bon. À droite, c'est bon. Ok. Ok, du coup, derrière, porte en face fermée. Il y a masse de portes. Par contre, on arrive du coup dans un couloir. Donc, droite et gauche, je vois pas très loin. C'est un peu chiant, du coup, limite même de passer par là, je me dis, c'est full couloir. Après, c'est un hôtel, donc ça va être que ça, j'imagine. Mais sinon, faut se diviser. On ouvre et vraiment, il y en a un qui part à droite, un à gauche encore. On peut faire ça. Je sais pas si ça tient à rigueur du truc, mais les coups de feu ont l'air de venir de ce côté, du côté droit. Parce que là, Attends, le... il y a un... Il y a un mec armé là qui arrive juste devant la porte. Ok, il ouvre la porte d'en face. Vas-y, bah décale-toi. Il est juste en face là. Décale-toi, j'ai mon arme, je suis pointé. Ok, je t'ouvre pour toi. Ouais. Vas-y, go. C'est bon? C'est bon? Normalement, il est down. Ok, approche-toi un peu. Je vais passer direct à droite, tu passes à gauche. T'es prêt? 3, 2, 1. Ok, j'ai la droite, j'ai une porte ouverte. Gauche. Je vais aller gauche, voir. C'est safe. Couloir, il y a un couloir qui part en à gauche. Hein. L'open. Ok, de mon côté, c'est sécurisé. Simplement qu'on peut accéder à toutes les portes. Le simple fait qu'il y a un mec armé ici, ça me fait dire que la bombe doit être de ce côté. Je vais fermer la porte derrière nous. Il est arrivé du côté gauche ou pas le mec? Oui, du côté gauche, et il a ensuite ouvert la porte juste en face. Il a attendu ici. Déjà, on va aller le. On va laisser que. Regarde avec ta caméra là sous la porte où on l'a buté. Là. Normalement, il Ok. est down. Peut voir bien de ton côté du coup, puisqu'on sait pas trop ce qui se passe. Oui, il est bien au sol. Il n'y a rien derrière, ce serait bien de sécuriser, de donner l'info, ou alors on le fera plus tard au pire. Hein. Merde, le problème de l'éotech, c'est que. Je vois pas le. Ok. Tu veux qu'on le sécurise ou pas? Je sais pas, attends, je voudrais finir ce couloir avant. Il y a eu des... Attends, pourquoi il y a des trous là à gauche? Vas-y, attends, bouclier. Il y a des trous à gauche, hein. Il y a eu des coups de feu dans ce mur ou d'en face, hein. Il reste 2 minutes pour la bombe. Deux Porte à minutes pour la bombe. gauche. Porte à gauche. Vas-y, check la porte, check les portes qu'on a passées déjà. Ok. 2 minutes pour la bombe, faut en fait faut qu'on active. Hein. Ouais, t'inquiète. Ok, à droite, je vois personne, il y a une lumière un peu bizarre. En fait, faut faire en fonction de là où on a vu le mec, c'est ça, il venait de gauche, donc la bombe peut être à gauche, ou alors ça peut être vers là où il allait là maintenant. Faut vite qu'on ouvre, hein, du T'as coup. checké les portes avec ta cam là? Ouais, là j'ai rien vu pour l'instant. Celle-là, je pense que tu pourras pas checker par contre. Si. Ok, il y a un mec juste derrière, il est pas armé.
Il y a un homme, mais il est pas armé. Par contre, ça bip. Attends, il y a un truc rouge, c'est peut-être la bombe. Hein. Vas-y. Ok, faut qu'on ouvre. Attends. Il y a un mec dessus à droite, du coup. Attends. Prends une stun. Ok. Pic. Ah non. Ok. Il nous reste une minute avant l'explosion de la bombe. Vas-y. Pic. Mec. Vas-y, pic. Ok, go. Non, mais il est pas armé, chérie. Ok, vas-y, à droite, c'est bon. Regarde là, comment ça bip, c'est la bombe derrière, non? Ok, on n'a pas le choix, faut aller vite. On entend la bombe. À gauche. Oh. Ah ouais, je l'ai entendu, c'est bon. Yes. J'ai entendu le bip. Ok, faut vraiment qu'on aille vite, en fait. Faut vraiment qu'on aille très vite, hein. Tant pis, hein. Ouais, mais bon. Oh là là, c'est chaud. Ok, je vais juste tester mon truc, dès que t'as regardé derrière. C'est juste pour voir comment ça marche, ok? Normalement, on devrait gagner en vitesse avec ça. Y'a rien. Ok. Ah, mec. Ah, ça va le faire. Ok, je check à droite. Ok, en vrai, on va toujours à droite alors qu'il y a des portes à gauche, mais bon, pour l'instant... Ah oui, c'est vrai que c'est pas moi qui check en dessous, j'allais retaper. Vas-y, je vais checker. T'es où? T'as la part du fond. Ah, tu crois que d'aller direct là-bas, ce serait worse? On peut, hein, changer. Pour le moment, on n'a pas essayé. Vas-y, je défonce là-bas. Attends. Vas-y, je défonce. J'ai rien vu. Bah, vas-y, je défonce alors. Attends, j'entends marcher. Pépé, la porte, tu m'as dit que t'as rien vu, j'ai entendu un bruit. Des fois, ouais. On voit rien, mais ils arrivent après. Je vais t'attendre. Je pense qu'entrer vers là, c'est pas bête, hein, parce qu'il y a des sons. Il y a clairement quelqu'un. Hein. Je vois rien dans l'environnement direct, en fait. Le problème, okay. C'est qu'il y a une porte qui va directement à droite, qui ouvre à droite. Pour moi, il est à gauche. Il y a un gros tas de parpaings qui m'empêche de voir, mais dans le prolongement à gauche, en fait, un coup. Ah, donc c'est pas bon. Au pire, on passe par la gauche. Est-ce que si on passe par là, en plus regarde, il y a des... J'ai pas fait gaffe s'il y avait déjà des balles dans le décor tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait des balles ou est-ce que ça change en fonction de là où il y a eu des coups de feu et tout? Ok, j'ai wedgé cette porte. J'ai wedgé la porte à gauche. Attends, je vais la wedge. Non, c'est bien, mais on n'a pas vraiment le temps de faire toutes les portes, ça. Ok. Bon. J'ouvre? Ouais, vas-y. Il y avait rien normalement. Il y a une autre porte à droite de suite. Ok. Ok, pour moi, c'est vers là où tu vas. Non, même à gauche, ça peut venir de derrière. Ok, je cover derrière. Y a, de l'autre côté, il y a une porte à gauche, une porte devant, mais un gros truc, des grosses caisses en fait qui m'empêchent de voir ce qui se passe à. Plus que 3 minutes, faut que tu checkes l'autre porte là derrière. Y a une porte. Pire, moi j'ouvre devant et j'essaie d'avancer pendant que je fais ça. C'est juste que j'ai peur de mourir et qu'après tu te fasses backstab par ma faute en fait si je meurs. Ok, là je vois rien, y'a rien d'intéressant, c'est une salle de bain à droite donc à mon avis ça termine et y'a okay. Rien de. Bon, on ouvre en face alors. T'es prêt? Vas-y, viens. Vas-y, ouvre. Un suspect appréhendé, un neutralisé. Ok, c'est bon, ça va mieux. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Ah, mais il y a deux morts. J'ai peut-être tué quelqu'un derrière. Hein. Toi. La bombe, je l'ai. Ok, je diffuse. Je ferme la bombe, la truc derrière nous, je cover. Il y a une nana qui est partie à droite, elle a fermé la porte. Tant que t'as la bombe, j'essaie de cover, par contre, il y a beaucoup d'angles. Hein. Ok, c'est bon. Ok, y'a pas besoin de la marquer. C'est pas bon. Il est dead. Any bombe. Y'a plusieurs bombes. Mais vraiment. Y'a plusieurs bombes. Ah, mais ils nous en veulent, hein. C'est pas possible. Ok, faut continuer. C'est pas fini. Ok, je peux pas checker là-dessous. Ok, je bridge. Attends. Je peux checker là-dessous par contre.
Ok, il y a la nana à gauche. Et là, c'est une pièce. J'entends une bombe de l'autre côté. Moi aussi, je bridge. Vas-y, bridge. Je passe à droite. Allez! Ok, je vois un à droite. J'ai un mec de l'autre côté ici, je peux pas voir s'il est agressif ou pas. J'ai un mec. Je bridge. Ok, j'ai deux mecs ici. À gauche, directement. Ok. Donc bridge en te mettant à gauche. C'est bon. Vas-y. La bombe à droite, j'y vais tout de suite. C'est bon, mort. J'ai la bombe. Je désamorce. Vas-y. Ça va exploser. Oh, j'étais, je dirais, à 3 secondes de la diffuse. Mais non, mais ils abusent, quoi. J'étais à 3 secondes de la diffuse, vraiment. Mec, c'est pour ça que je te dis, genre, en vrai, il y a des missions qui sont faites, je pense, pour plus de joueurs. Ah, c'est chaud, hein. Ok, tac, tac, tac. Info. Rien. Ça marche à côté à gauche, hein. Prends ton arme. J'ouvre. Je regarde à droite. J'entends une bombe de ton côté. Ouais, vas-y. À droite, c'est ici. Bon. Ici, ouvre. Ok. J'open, t'es prêt? Ouais, vas-y. Ils sont plusieurs, fais gaffe. Rentre pas bêtement. Aïe, ouais. En fait, il y en avait trop. Ce que je t'ai dit. Ils étaient beaucoup. Hein. Non, j'en ai eu un à gauche. Ah non, je l'avais pas eu. Ok, bah il était en PLS. Par contre, il y en a une civile qui est partie à gauche. Et là, t'as la bombe. Essaye d'ouvrir la porte. Je vois pas la bombe. Allez. Non, mais j'ai trop peur là. Ok. Donc au moins tu dois désamorcer. Et je comprends pas pourquoi ils en ont mis plusieurs en fait, c'est chaud. Pour que ce soit plus compliqué. Ah, y a plusieurs charges dans le bâtiment, limite, c'est logique hein, parfois c'est un bâtiment, ils ont mis plusieurs charges. C'est... Le truc c'est qu'il faut limite qu'on se sépare et je pense que. Ouais, mais c'est risqué quoi, c'est ça le truc. Ah, moi j'ai le C2, j'ai 3 charges de C2 pour faire péter des portes, donc je suis pas sûr et on entend des trucs. Police, put your hands up. Threat. Arms outstretched. On m'appellera plus tard pour les gens. Ouais, je pense que l'autre. Qu'ils prennent pas les armes dans ton dos ou quoi. Bah, l'autre bombe elle est à l'opposé, je pense. Ouais, je pense qu'elle est là où on allait. Elle est de l'autre côté, la bombe. L'autre. Ouais, je pense par là. Par contre, j'y vois trouble. Hein. On est à gauche, non? J'entends là. Non mais. I can hear him. Voilà, il a dit qu'il m'avait entendu, il va ouvrir. Qu'il y avait un piège. Ouais, bah il l'a pris aussi. Hein. Il y en a un autre à gauche, j'ai entendu. Il y en a un qui est parti à droite. This is the police. Hands up. Et l'autre à droite, ça c'est un mec, mais. Hands up. Mais ils sont insupportables. Police, hands up. Hands in the air. I'm complying, officer. I'm not one of them. Voilà, pour moi, elle était là au fond là-bas en fait, on l'entendait. Hands where I can see him. Tu l'as vu. Il est armé ? Ouais, tireur parti à gauche. C'était une femme, il me semblait pas armé. Yeah. So Hollywood. I can't be here.
là là, mais il y en avait un à droite. Bah ouais, mais là, c'est trop compliqué. Là, dis-toi, il devait me rester une minute hein, pour désamorcer ouais, un port. Ouais, mais ouais, je sais, c'est horrible. Talk to entry team. Juste que ouais, je set au début, c'est mon fire. Ok, c'est ouvert droit devant. Bah sinon, j'avoue, au lieu du mirror, on te met un bouclier encore et on avance vraiment en mode bourrin. Hein. Une bombe à gauche. Ouais. Droite. Ça marche à gauche. Ok, droit devant, la porte. Attends. Derrière nous! Derrière nous, je peux pas tirer! Non, il est pas mort. Encore! Oui, je suis complètement knock. Moi aussi. Ouais, c'est joli! Shit! What? Mais il était mort! Je l'ai tué! Non, mais je lui ai explosé sa cervelle, mec! Oh là là! On est débile! J'aurais dû check avant, mais. Ok. Faut vraiment check tout le temps derrière. Vas-y, occupe-toi de la bombe, je m'occupe de les restrain. Attends, mais j'ai cru qu'il bougeait encore lui, ok. Juste de l'autre côté de la porte, là où je suis, à gauche. Mec, je vais sur la bombe. Ok, je m'occupe de la bombe moi. Ok, là où je suis, j'en ai une. Hein. Ok, mec, c'est le moment. On a le temps, on a le temps, on a 4 minutes. Là, on est large. Hein. T'as un mec juste derrière ou pas? Ah, j'entends piper, ouais. Juste derrière la porte. Vas-y, je te. Ok. Je cover derrière ce coup-ci. Hein. À gauche, y'a un mec. Ok, je te suis. Tu l'as eu? Il est mort. Ok, nice. Il y a la bombe juste là. Je fais le tour à droite. Ok, fais juste gaffe au port, qu'il n'y ait pas un mec qui nous back encore. Oh, vas-y. Dis-toi, il y en a peut-être plus que deux, hein, des bombes aussi. On sait même pas, on n'a jamais fait les deux. Hein. Imagine si c'est trois. C'est la deuxième là ou pas? Oui. C'est bon? On a tout diffuse, donc maintenant... Ah, la mission n'est pas finie. Maintenant, il faut vraiment... Ok, faut vraiment... Il y a un mec, là, directement de l'autre côté de la porte. Attends, il faut sécuriser ici avant. Ok, tu l'as eu. Got them all cuffed and secured. Le temps n'est plus limité, hein. On a eu un deuxième. I know you've been through a lot, but I've gotta do... Arms outstretched. Don't shoot. Ok, je te vois, mec. Mec, c'est Rambo. Get your hands off me. This is the police. Hands up. Get your hands off me, you creep. Hands up now. Ça c'est fait. Hey, don't worry. Everything's gonna be fine. You're safe now. This is talk. Great work, entry team. Keep it up. Ok. Vas-y, c'est bon. Moi, je suis assez clair là de ce côté-ci. Non, mais en fait, il faut report tous les cadavres. C'est ça qui va nous manquer. Ouais, t'inquiète. Là, on a plus le time. Oui, c'est pour ça. Sur nos parts. J'ai buté le mec, t'as eu de la chance parce qu'en vrai il est arrivé là. Ouais. Il était en train de diffuse droit devant en fait et je l'ai buté au moment où il était en train de rentrer dans la pièce. Donc il t'a pas fumé. Heureusement. J'ai eu de la chance. Jam, c'est toi qui avais bloqué la porte là. Mon global, mec, je suis vraiment pas bien. Ah ouais? Ouais. Ok, bon. Attends, Tain, Annie, Unarmed. C'est que des civils, hein. C'est des civils qu'on a dû laisser, ça, je pense, hein, qui manque. Hein. Genre derrière, là, c'est... On est d'accord, c'est toi qui avais mis un truc à la porte, on peut l'enlever? Ouais, c'est un doorway. Je pense que c'est juste ça, hein. Faut juste gérer tous les civils maintenant et on est bon. Ah, il remove. Ok. Mince, il pouvait pas s'ouvrir. Don't worry, everything's gonna be okay now. You're in safe hands. Suspect to go with. Hands off! Hey, don't worry. Everything's gonna be fine. You're safe now. Talk to Element. Roger, entry team. Great
pas choper son arme. Je vois même pas son arme en fait. Mais en fait, c'est peut-être. Oh, j'ai plus de balles. Ah, mais il était derrière. Ouais. J'ai cru que c'était à travers la porte, j'ai pas capté. Je tirais à travers la porte, je croyais que c'était dans la porte que ça tirait. Oh non. Oh non. Oh non. Setup de mec, Gond qui était impeccable. L'action était débile, hein. Moi, je tournais le dos au mec, je reculais vers lui et je tirais dans la porte, je pensais qu'il tirait à travers. Alors par contre, tu vois, le Unauthorized Use of Force, en fait, c'est quand j'ai abattu un mec qui n'avait pas encore sorti son arme. Mais en même temps, il avait un gilet pare-balles et je t'avoue que je voulais pas attendre qu'il sorte son arme. Non, on s'en fout, mec, il faut qu'on désame les bombes. Honnêtement, la mission est trop chaude pour qu'on s'amuse à faire distinction entre ce qu'il faut et ce qu'il faut. Pas grave, on remplira un rapport de 10 pages. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ah là là, mais non. Mais non, c'est dommage. Non, mais en plus, la mission d'avant, là, je me suis fait avoir aussi parce que je pensais... Moi, je pensais qu'il y avait plus d'ennemis parce que dans la mission, il y avait marqué de gérer tous les civils, en fait. Il restait, tu sais, du coup, je me suis dit peut-être qu'il y a plus d'ennemis, donc j'étais safe aussi. Je pensais que c'était ok, moi. Tu vois, là, au début, il y a marqué « Arrêter ou neutraliser tous les contacts sur la scène ». Et ça y était plus dans notre mission, donc je pensais qu'il n'y en avait plus. Ok, là, il y a plus de respect. Threat neutralized. Talk to high ground. Copy that entry team, notifying trailers. Je m'occupe des papiers derrière. Je fais la paperasse derrière, mec. Yes, vas-y. Oui, alors on était obligé de le tuer. Alors, c'est marrant, t'as vu, les charges de C4 sont là, les trucs sont là, les barils et tout, ouais. Ça sont là. Mais... Y'a plus la bombe. En fait, faut trouver là où il y a des gens. Là où on l'entendait pas, c'est que généralement il y a la bombe, quoi. Voilà. Faut le faire au son. Et après, ça commence à biper, quoi. Il y en a encore ? Je vais flash. Oh, il est sorti ! Tu l'as eu ? Ouais. Ok, j'ai flash dedans, mais moi je suis pas bien, tu sais. Tu sais, regarde dans tous les sens, quoi, genre. Vas-y, je reviens là, ça revient. Ça aussi. Commence à aller mieux aussi. Et c'est bon. C'est dans l'environnement direct. J'ouvre à gauche. C'est verrouillé. Je vais ouvrir. J'ouvre. Ma droite. Fais gaffe, hein, parce que j'ai ouvert à gauche. Ok, c'est clair. J'ouvre la porte à droite direct. C'est clair. Ok, vas-y, go. Ok, j'ouvre. Attends, j'ai vu un truc là, non, à droite. Peut-être pas. Il y a peut-être un piège. Oiseau trap. Mais peut-être un piège. C'est horrible cette sens. Ah, t'entends la bombe. Cette sensation quand on te tire à côté et que tu peux plus viser, c'est tellement horrible. Mm-hmm. Après, c'est ouais, bien fait au moins. Hein. Tu peux pas tirer au jugé là. Hein. Là, c'est. Fais gaffe, tu vas avoir du monde. Hein. Non, bah vas-y, mec, il te reste 3 minutes. T'as encore le temps de faire la deuxième. Faut juste la trouver vite. Oh, le vieux trap que j'ai pas vu. En même temps, je pensais qu'en ouvrant la porte, c'est ça. Je pensais que ça allait la faire exploser, c'est le trap. Genre, du coup, j'ai vraiment pas check. Hein. Là, on se comporte un peu comme des singes. Oui, bah oui, pas qu'un peu, mais on a pas le choix. Comme tu dis, on serait 4 en vrai, là on pourrait le faire plus propre, mais là on est obligé d'y aller comme des animaux, quoi. Ouais, c'est là où tu vas, je pense.
Allez, on va donc s'arrêter là-dessus pour cet épisode qui j'espère vous aura plu. Au final, on n'a pas réussi la mission à 100%, on a fait un essai, vous avez vu, on avait quasiment réussi, je suis mort un petit peu bêtement, enfin tous les deux on est morts un peu bêtement sur un mec qui est sorti du coup sur un passage qu'on avait déjà pris en plus, donc je pensais que c'était safe. Encore une fois, la mission disait qu'il suffisait d'aller s'occuper des civils et tout, donc je pensais que c'était fini aussi. Et en plus, derrière, j'ai pas compris où était le mec, j'ai tiré dans la porte comme un débile, donc voilà. Très mal joué de ma part aussi, mais bon, du coup, on a quand même bien géré la mission, parce qu'on a réussi à désamorcer toutes les bombes. C'est déjà, on va dire, une victoire en soi. Après, on n'a pas réussi à terminer la mission à 100% pour le moment, donc je vous laisse avec les images que vous avez vues, comme ça, voilà, déjà, vous avez un récap de la mission qui est quand même très intéressante, et bah, potentiellement, on la retentera à l'avenir, ou alors on passera à une autre, on verra bien. Mais en tout cas, une mission que j'ai, pour ma part, appréciée.